Bonsoir tout le monde, c'est Piqué, bienvenue pour ce 17ème épisode sur Pokémon Emerald Plus. Le full random, le jeu, tout ça, comme d'habitude, ça n'a point changé. Et dans cet épisode, d'abord, ce qu'on va aller faire, donc on va aller chercher Lazergas pendant que j'y pense. Et j'ai regardé sur internet, c'est à Lavandia, dans le casino, comme d'habitude, hein. Comme très souvent, c'est dans les casinos qui sont. Alors, le casino de Lavandia. Et petit débrief, enfin débrief pas du tout, petit rappel de l'épisode précédent. Donc dans l'épisode précédent, bah, j'avais récupéré le dernier badge, j'avais pété la gueule à Rayquaza, je crois, ou alors c'était dans, je sais plus si c'était dans le dernier, ou je sais plus. Enfin bref, je lui ai pété la gueule. J'ai pas de boîte de jetons. Va falloir parler à tous les PNJ. Eh mon petit, si tu veux jouer ici, il te faut une boîte de jetons. Je pense que la femme de la... Ils ont basé Ah oui, faut pas faire un truc avec des lettres et je sais pas quoi. De la maison voisine, c'est-à-dire. Cette maison-ci. Bonjour madame. Ok, là ce sera facile d'aller à Poivre et acheter une lettre port. Mais on va y aller, t'inquiète pas. YOLO! On va aller lui acheter ça tout de suite. Parce qu'il me faut des jetons. Aïe. 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 Et encore aïe. Nombre de collisions. J'aurais pu y aller en volant, mais bon. C'est pas RP! On va faire ça comme il le faut, en vélo. On va chercher la lettre P. Bonjour, je voudrais une lettre port. Pas du tout. Je suis tellement trop RP que je regarde s'il y a une lettre dans les vitrines. Je vais vendre avant. Je sais pas, des trucs cool à vendre. Genre des pépites. Des super bonbons. Oh, j'en ai 6. Oh, c'est trop bien. Bah si, il y a des pépites, tiens. Tiens, prends les pépites. Je sais que t'aimes ça. Mais attends, je veux acheter. Lettre port. Voilà. Merci, bonsoir. Bon, cette fois, Beck, tu vas nous y accompagner en volant. Pendant que je mets mon téléphone en mode muet. Voilà, tais-toi, salaud. Pas du tout, faut retourner à la maison. Madame. Voilà la boîte de jetons, c'était easy game. Wop. Alors attendez, les prix. Je m'en fous des Pokémon. Je veux pas de Pokémon. Je veux pas ça non plus. Elles sont où les CT? Ouais, non mais c'est super tout ça, mais je veux des CT, moi. Ils ont dit que c'était ici qu'on les avait. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? On m'aurait menti. Putain, si on m'a menti, ça va pas le faire. Qui propose que ça comme prix, les cons. Bon, petit élim, je vais re-regarder parce que... Ah ouais, je suis surpris. Bon, allez, tout de suite. Ok, donc c'est pas du tout ici. C'est formidable. C'est dans le... L'épave. Donc, l'épave, il se situe près du village Myokoku. Myokaka. Je les ai déjà tous affrontés ici, je crois, en plus. Ah, la noix de coco chromatoque. On s'en fout. On s'en fout. Qui qu'on va mettre en tête de lit? Je pense qu'on peut mettre Mew. On peut se permettre de mettre Mew parce qu'ils vont pas avoir des Pokémon extrêmement forts. J'imagine. Voilà, l'épave. Alors, va falloir faire tout un bordel avec les clés de stockage et compagnie, si je me souviens bien.
Il n'y a rien ici. Bonsoir, messieurs, dames. Des level 25, c'est formidable. On fait surf et il n'y a plus personne. Ah bah si, encore du monde. Bah là, il n'y a plus personne. Ah non, non. Oui, je vais apprendre psycho, bien entendu que je vais apprendre psycho. T'es malade, toi, je vais apprendre psycho. Bon, du coup, on enlève métronome, fuck it. Ah d'accord, on refait surf et toi, tu refais coupe. Ça n'a même pas tué. Oh oh, je suis déçu. Allez, salut! Putain, c'est cool, j'ai appris psycho. Ça, c'est déjà un bon point. C'est cool ici, bah oui, c'est cool. Ok, on vient d'ici, c'est formidable. Lettre au port. MDR, j'en avais besoin d'une il y a 2 secondes. Des bonnes barres. C'est fermé, clé de stockage, ok. Oh, un barpo! Un libégon. Mieux, il va casser la gueule à tout le monde de toute façon. C'est un loupard. C'est vide. Toi, t'as le mal de moi. Le mal de tes moi. Alors là, on peut faire plonger, on va pas y aller pour le moment. D'abord tout visiter. Corde sortie, ok. Salut toi. Ah, il me snob. Ok. Oh, c'est un bateau, bah oui. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'as 12 ans, putain. Même pas, 8 ans, je sais pas. Truc comme ça. Scuba ball, scuba ball. Ah, je suis un peu trop vite. Ah bah tiens. Allez, salut Charles. Ne fais pas trop le fifou, Charles. Bonsoir, messieurs dames. Waouh, c'est un ectoplasma chromatique. Je vois pas les différences, c'est pas grave. Du coup, on va lui faire du ténèbre. Et puis l'autre, bah, on va l'endormir puisque c'est un réflexe, lol. Puis on va y faire psycho. Et les gars sont dessus. Et voilà. Bonsoir. Un rappel. Le petit couple qui va m'affronter. Non, c'est peut-être pas une manière, on va juste faire surf. Et puis coupe. Lance-boue. C'est dégueulasse. J'aime pas moi les gens qui lancent de la boue comme toi. Alors ça c'est Charles. Bonsoir monsieur. T'examines ce bateau, il te faut le scanner, la clé stockage, ok. Et du coup là on va aller dans les salles pour plonger. Les salles sous-marines. Et j'ai pas mon rose habit ça. Fuck me, fuck me, fuck me, fuck me, fuck me. Rose habit. Rose habit. Rosabis, tu fais chier. Déjà, soignez tout le monde. Hop, hop, hop. C'est qui qu'on va déplacer? Alors. Bon, bah, comme d'habitude, Pinky, tu restes dans la boîte. Désolé. J'ai été un peu trop vite. Yop, yop, yop. C'est là. Oui! Ok. On y est. On peut remonter. Formidable. Salle 1. Salle 2. Une pierre haut. Ok, c'est vide. C'est vide, c'est vide. Par contre, dès qu'on rentre, regardez bien. Ça clignote partout! C'est-à-dire qu'il y a plein d'objets à récupérer sur le sol. Salle 4. Salle 6. Ok, par contre, ouais. Je crois qu'en fait, la clé que j'ai récupérée tout à l'heure, c'était pour voir la salle qu'on avait déjà visitée tout à l'heure, qui était celle-ci. Ok, c'est bon. J'ai récupéré quoi? Laser glace? Il me semble, hein, je crois que j'ai vu ça vite fait. Oh oui! En fait, on a plus rien à foutre là. Je savais pas qu'il pouvait la prendre, Beck. Bon, déjà, toi, avant tout, tu la prends.
À la place de... À la place de quoi? Je pense à la place d'onde de choc, tout simplement. C'était bien sympa que tu aies onde de choc, mais bon. Non mais sérieusement, on peut pas continuer l'aventure sous-marine? Non, en fait, on va pas la continuer, on s'en fout. On s'en fout complètement. On va aller à la ligue. Parce que YOLO. Allez, Beck, à la ligue. Enfin, pas tout de suite, mais un peu quand même. On va aller directement à Legatia. Par contre, je vais garder Rosabis puisque je vais lui apprendre Cascade. Je vais t'apprendre Cascade, mon petit. T'inquiète pas que tu vas pas être useless. Est-ce que je t'ai affronté, toi? Oui. Formidable. Ah, toi, je t'ai pas affronté, par contre. Et ben voilà, c'est une chose qui est faite dorénavant. Un ronflex sauvage, formidable. Double combat. LOL! What the fuck? Alors ça, c'est assez... c'est assez fou. C'est assez fou d'avoir le même Pokémon deux fois d'affilée, là. Les probabilités, mesdames et messieurs, les probabilités. Et un haut sauvage. Qui me fait cyclone, le bâtard. Alors, on est à Eternara, si je dis pas de bêtises. Ou Eterna, je sais plus. Eternara, non, c'est bien Eternara. Pourquoi j'ai voulu dire Eterna? Parce que YOLO. Je crois qu'on aura encore besoin du Rosabis dans la grotte. Parce qu'il y a un moment, il y a une cascade et tout. Je passais ma mère à entraîner. Oh, ton Mew. Même si il tombe de 11 mètres de haut, il ne se fera pas mal. Qu'est-ce qu'il raconte, ton frère? Il est défoncé. OMG, cette musique. OMG, cette musique. Je crois que c'est la musique que j'ai le plus entendue dans Pokémon, puisque c'est l'endroit où je farmais mes Pokémon level 100 à l'époque sur Ruby. Ouais, avec mon équipe, genre, je prenais un Pokémon que je voulais up level 100, je lui faisais faire des combats, il défonçait tout le monde. Oh, un Pyroli. Et, comment dire, et j'avais une... Et tout le reste de mes Pokémon, c'était des Zigzaton qui farmaient les super bonbons. Donc voilà, c'était easy game. Avec le ramassage, ça allait super vite. La technique de Loubar. Par contre, faut faire gaffe à Mew. Un Girafing, ça pue. Il me faut une technique combat, mais j'en ai pas. On va faire séisme. C'est bien séisme. Par contre, je connais pas du tout la route, mais c'est pas grave. On verra bien. Et il y a Vlad, les Pokémon, ça me saoule déjà. J'ai pas des petites... Le corps sorti, j'en ai beaucoup, mais c'est pas ça que je veux. Super repousse, tiens, allez hop. Laissez-moi marcher en paix. Non ! Je suis trop un bolos ! Allez, cette fois, on se met bien dans l'axe de la Pokéball. Un max Elixir. Et du coup, on va passer par au-dessus. Hop. Salut, Piktia. Je parie que ça te surprend de me voir ici. J'ai fait le chemin jusqu'ici, et c'est grâce à toi. Piktia, le fait de perdre contre toi l'autre fois m'a rendu plus fort. Je ne perdrai plus maintenant. Je vais gagner pour les Pokémon qui m'ont donné le courage et la force. Ok, me voilà, c'est beau. Jimmy! Bon alors, un Dracos. Oh bah c'est fort ça, un Dracos. Putain, level 44. Level 44. Bon, on va lui faire du laser glace, on va en profiter maintenant qu'on l'a. Vibranif. Laser glace aussi. Démanta. Damon, tu t'en charges. Petit point éclair dans sa gueule. Voilà, parfait. Calabra. C'est Mew qui va s'en charger avec une petite feinte. Ou deux petites feintes. Et un Carvana. C'est pour Damon. Qui va se prendre la préscience. Oh, il est beau.
Bah, tu ne prendras pas la pression, c'est voilà, formidable. Je n'ai pas réussi à te battre aujourd'hui, Pitya, mais un de ces jours, je l'aurai un jour. Mais normalement, Timmy, on l'affronte pas à la fin de la grotte. Dans mes souvenirs, c'était ça, mais bon, c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent, c'est pas grave. En tout cas, Mew qui pexe très très vite, qui est un peu trop puissant. D'ailleurs, vu qu'il est au même niveau que les autres, on va voir la différence des stats. À 107, 102, 95, 99, 90, 147 PV. Voilà, juste à comparaison, l'autre il a du 49, le pancake il a du 49. Bon, Reggie c'est un légendaire aussi, donc il a du 172, du 100, du 135, mais bon. Il est tellement polyvalent, donc on s'en fout, en fait tu sers à rien. Il est balèze aussi, Farron, quand même. Il me faut flash, non, c'est sérieux. Pourquoi il faut flash? Sa mère... complètement zappé qu'il fallait flash, moi. Damon, tu vas prendre flash. À la place d'éclair. Ah bah oui, ça tombe bien. Ça ne te sert strictement à rien, éclair. D'accord. C'est tout? Oh, c'est passé. Oh non, pas force. Oh non. Oh, c'est bon, Reggie, il gère. Oh non. Oh non. Ah. Ça va être relou. Moi, je vous le dis que ça va être relou. Salut. J'ai le track. Super. Ça va les couilles. Un Don fan. Dégage. Et un Barloche. Waouh. T'as rien pu faire, mon frère. Attendons. Comment on fait? Bon, on va faire comme ça, et puis comme ça. Ultra laser, oh mon dieu. La puissance. La puissance. Arcanin, c'est bien, ça fait pex. Bulbasaur. Qui dégage très très vite. Au moins, il y a du level dans la grotte, ça fait plaisir. Pokémon sauvages qui ont du level. Tangali, c'est quoi? C'est ténèbres et plantes, je crois. Tout comme ça. Bah, un coup de laser glace. Ou séisme. Séisme. Va pour séisme. Non, bah, laser glace. Voilà, c'est un peu mieux. Latias. Ouh, Latias. C'est Dragon Psy. J'aurais pu faire laser glace en soi. On va faire plutôt une feinte. Une balombe. Balombe, c'est mieux. Non, Mew, tu vas survivre. Stuicune, mais putain, c'est quoi ce PGM? What the hell? Double légendaire. Ça, c'est vraiment du top dresseur. Top dresseur de haut niveau. Bon, du coup, faut monter la cascade là. Ça, je sais, c'est info sûr qu'il faut la monter. Par contre, on va mettre Beck. Salut! Un cuirassier. Allez hop, double aéropic. Bon bah, ah non, que double. Vu qu'il s'était rajouté, je me suis dit, ça suffira pas. Ça ne suffira pas. Et j'ai oublié de changer. J'ai quand même une équipe cheatée. Hein. Déjà, mon équipe, je la trouvais vraiment pas mal. Et les canons, putain, ça c'est puissant. Puissant et paralysant, mais pas très précis. Ah ouais, c'est pas précis du tout. Tu sais quoi, pour le moment, tu vas pas la prendre, ton et les canons. Tu vas pas la prendre, tout simplement. Trop relou. Moi, je préfère être sûr. Je n'aime. C'est la RNG, c'est nul. Ouh, il est beau. Il est beau, il est beau. J'avais jamais vu en chroma. Bah, il est magnifique. Il est vraiment super classe. On va aller voir ce qui se passe. Encore. Ouais, mais dis donc. Je
sais pas s'il fallait que je redescende la cascade ou pas par contre. Ils en ont des ludicolos aussi dans cette grotte. Hein. Merci. Polichon. On va tenter un petit Mew. Voilà. Ça, ça va vite jarter. Bon, par contre, ça m'ennuie qu'ils soient un peu louaches. Du coup, on va leur donner des hyper popos. Voilà. Du crocodile. Est-ce qu'il fallait que je descende ce truc-là? Peut-être bien, en fait. Peut-être qu'il fallait le faire, en fait. Du coup, je vais faire vol. Et puis toi, tu vas giga sensus bâtard. La grêle qui tombe. Sacrifice. Waouh, ok. Pancake est en PLS. Va falloir vite le réanimer. Un rappel. J'en ai plus que 10. Putain, mais il y a que des types. Oh, Eglas ici. Oh, la grêle qui fait son taf. Ça, c'est bon. C'est bon pour moi. Non, on va peut-être faire. Non, bon, on va faire surf. Plutôt point éclair ici. Parfait. Perfect, perfect. Allez, salut. Ok, le super casse-tête de ces morts. Wouah, Lugia! Est-ce que je peux le capturer? Oh, je peux tenter. Est-ce que ça se tente? Scuba Baller, en plus, c'est un Pokémon un peu sous-marin, Lugia. Hein? Non. Il est dans sa grotte sous-marine. On va le tenter. Ok! Il a dit non! Il a dit non! Bon, bah, voilà. C'était Lugia. Heureusement qu'on n'a pas besoin d'aller chez le maître des capacités pour enlever les capacités à la con là. Ah merde, c'est vrai qu'il faut que je rechange. Force. Pas laser glace, non, surtout pas. De toute façon, je peux lui réapprendre au pire, mais on va éviter. Y a rien ici? Ah, là, c'est la sortie. Ah, c'était rapide. C'était rapide. Girafing. Girafaring. Je sais pas pourquoi je dis girafing à chaque fois. Ok, parfait. Alors, c'est bon. Un double combat. Ils sont bien cachés en plus, les salauds. Arcanin, il est tellement rapide que je peux pas m'enfuir. Alors, un petit aéropic ici et un petit gigasensu là. Putain, il est pas du tout résistant que l'Orior. Truc de fou. Oh merde, ils l'ont soigné, les cons. Non, aéropic ici, on a dit, et les gigasensu là. Ok! Ok! Donc la P1 c'était des merdes et la P2 c'est des légendaires, ok. Bah oui, hein, c'est comme ça que ça se passe dans le vrai monde. Hein. Écoutez, vous envoyez Mew hein, si ça veut se battre au légendaire. Si ça veut se battre au légendaire, on va envoyer du légendaire. Alors déjà on reste bec. Et puis merde! Merde! Bon, c'est pas grave. Ah mais putain, il a abri le coup. Bon, laser glace ici, toi, et puis toi, tu vas faire surf. Allez, moins 1. Et puis, une attaque roche aussi, ça va lui faire mal. Petite balle ombre. Parfait. Ah, il est pas mort! Non, mais c'est pas possible. Son aïeul ou quoi?
Comment il est pas mort? En plus, il fait flamèche, quoi. Il est trop nul. Allez, salut! Normalement, c'est là que Timmy nous affrontait. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis au début, cette fois. Enfin, de mes souvenirs, il nous affrontait à la fin. Bon! Du coup, tout le monde va bien. On va soigner tout le monde. On va déplacer notre Pinky. Formidable Pinky. Alors, mon équipe pour la ligue, eh ben, c'est Bec Chromatique. Super Bec avec Abrivol, Surf et Hero Peak. Le Pinky qui est là, toujours là, vaillant. Le Regis, du début aussi, le petit chenipan. Le Pinky, ex Ponyta, avec des techniques totalement what the fuck. Le Mew, oh Mew, Mew. Le petit Farampe. Et puis c'est tout. Voilà, j'ai une équipe assez polyvalente quand même. Après, est-ce que je ferais mieux de m'entraîner avant ou pas? Je sais pas trop. Déjà, on va faire le plein de... Déjà de guérison. Je peux en acheter que 67. Je vais m'en prendre 25. Des rappels. J'en ai... Il me reste 8. On va prendre 22. Des hyper... On va prendre 11. Total soin... 10. Et on va reprendre des guérisons au max 24. Et voilà. On re-soigne. Et dans le prochain épisode, je pense que je vais tenter la ligue. Voilà. En espérant que je me faille pas. On verra ça. Je sais pas si je le sens. Je sais pas si je le sens en fait. Je sais pas. J'ai pas envie de me fail après tout ce qu'on a vécu. Ça peut être une catastrophe. Enfin, si je foire la ligue, c'est game over, hein, tout simplement. Bon allez, dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé cet épisode et je vous dis portez-vous bien. Salut tout le monde!